Le chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, a ouvert sa résidence à la Nuit des Arts. Cette manifestation permet à divers artistes et artisans centrafricains de montrer leur travail à la communauté diplomatique et aux autorités centrafricaines. Donc ce soir, nous allons, en célébrant l'art, vraiment vous inviter à en prendre possession, hein, je dirais au propre comme au figuré. Possédez-la avec vos yeux, avec vos cœurs et désirez-la, mais aussi parce que c'est la rentrée artistique. Soutenez par votre contribution, par vos achats pour vous-même et pour vos amis les pièces que vous allez découvrir ce soir pour pouvoir encourager ces artistes à poursuivre dans cet exercice qui n'est pas simple, qui est au fond celui de rendre notre quotidien un peu plus beau chaque jour. Plusieurs dizaines d'artistes et d'artisans ont participé à ce vernissage organisé en collaboration avec l'association Béafrique Art. En présence de toutes ces entités, que ce soit des diplomates, les autorités, le message que nous voulons passer, c'est que nous voulons que nous, les artistes et les artisans, nous qui sommes méconnus sur la scène, que ces autorités sachent que nous, on a opté pour ce domaine-là, on s'est engagé dans ce domaine-là, et qu'ils sachent que voilà, il y a l'artiste, il y a l'artisanat qui existe. Plusieurs des artistes invités à ce vernissage sont exposés de manière permanente au Rock Club à Bangui.